4 petits mois et il s'en va. Le Premier ministre haïtien Gary Conille a remis vendredi sa démission au président Michel Martelly. Au cœur du différend entre ces deux hommes qui ne se sont à vrai dire jamais entendus, l'enquête lancée par le Sénat sur la nationalité de plusieurs ministres et du président Martelly lui-même, qui serait aussi détenteur de passeports américains et italiens. Seul Conille a accepté de se soumettre aux questions des parlementaires. Ravagé par un terrible séisme en janvier 2010 qui a fait des centaines de milliers de morts, de blessés et de sans-abri, Haïti peine à se reconstruire et cette nouvelle crise politique ne va pas faciliter la situation. Avant de décider de quitter la scène, Conille avait lancé une enquête sur les contrats passés par l'État à la suite du tremblement de terre, sur fond de rumeurs de corruption.